Bonjour à tous, c'est MaxiCamFR, on se retrouve aujourd'hui pour le 125e épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et puis bah aujourd'hui comme prévu, on débute donc les moissons d'orge. En vrai, elles sont finies, en tout cas pour moi, pour vous j'en sais rien, mais pour moi en tout cas c'est fini. Mais dans Farming, et bah on commence juste. La preuve, j'ai pas encore eu le temps de tout mettre en place. Donc je suis en train de finir de mettre en place. Bon, ça se précise quand même, ça avance. Mais je suis en train de finir. Alors, hop, bien sûr, je suis pas monté dans la bonne machine. Hop. Ah oui, mais du coup, faut que je les modifie. Hop. Pas que je fasse l'erreur. Sinon, elles vont sauter un cran. Parce que là, il y en a que deux. J'en ai mis une seule dans l'autre. C'est pour pouvoir gagner un petit peu de temps. Hop. Tac. Allez, c'est parti. Impeccable. Bon, je vais retourner avec mon transbordeur là-bas. Ah oui, il faut que j'enlève le camion, il va un peu gêner. C'est que là, en fait, c'est moissonné une fois sur trois parce que j'avais oublié d'enlever le mode qui me permettait de moissonner une fois sur trois. J'avais oublié de le désactiver. Donc du coup, ça a moissonné un rang sur trois. Donc on va laisser le camion là. Hop. Alors on va ramener un autre camion à côté de l'autre champ. Ça risque d'être plus pratique. Hop. De toute façon les deux sont vides. Hop. Alors, par contre avec cette benne là, c'est une benne mort réalistique. Hein. C'est celle de base mais en version mort réalistique. Et donc quand on va trop vite et qu'elle est pleine, et ben elle part sur le côté puis au bout d'un moment elle tombe. Bon en vrai ça le fait pas trop, c'est plutôt quand on tourne trop vite. Mais au bout d'un moment elle se met à bouger à fond. Et puis hop, elle vire sur le côté. Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer parce que pour remplir une benne à fond, il va me falloir un petit moment. Alors on m'a dit aussi, je sais plus si c'était en commentaire ou par message privé, de vendre les CR. Je me demande si c'est pas une bonne idée parce que ma foi je les remplacerai par des ruches. Et puis j'ai comme l'impression que ça suffira. Parce que bon, les CR s'en occuper. Je vais remplacer par des ruches ou des éoliennes ou les deux et puis des panneaux solaires. Et puis ça ira bien comme ça parce que les ruches, enfin les serres c'est du boulot pour ne pas rapporter énormément. Donc, voilà, c'est pas. Enfin c'est une façon d'utiliser le fumier et l'eau après. Mais ouais, je me demande si c'est pas une bonne idée. Enfin je sais pas, vous pouvez en dire ce que vous en pensez aussi en commentaire, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Mais j'hésite à les vendre. Hop, bon là-bas je vais aller vider le camion. Je m'y retrouve plus, je suis en 16. Hop. Pendant que l'autre vide avec le transbordeur. On va vider par là avec le camion. Bah, il manque une moissonneuse là. Enfin, j'ai l'impression que l'autre doit être à la traîne. Je vais regarder après. D'ici à ce qu'elle soit plantée dans le bâtiment en face. Je vide celle-là puis je vais regarder parce que ça m'embête un peu. Même pas, je vais pas vider celle-là, je vais la bloquer.
Hop, alors, champ 17. Ah non, mais... Et comment ça se fait qu'elle en laisse autant? Elle aurait pas dû. Moi, c'est juste qu'elle est à la traîne et puis comme il y a un rétrécissement... Bon, bah, en fait, c'est bon. Je vais pouvoir reprendre ma benne là-bas. Bon, bah, continue d'avancer, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah bah non. Faut que je continue à la bloquer pour pas qu'il y ait trop d'écart entre les deux. J'ai pas avancé assez pour la bloquer. Non. Hop, voilà. Elle est bloquée. Bon, là, en ce moment, j'ai pas le temps de travailler hors vidéo. En fait, j'ai plus le temps quand je suis pas en vacances que quand je suis en vacances. Parce qu'en fait, quand je suis en vacances, je suis pas en vacances. Je suis plus dans la vraie ferme que sur farming. Donc, bah, en fait, j'ai moins le temps encore de travailler hors vidéo que quand je suis pas en vacances. Donc, du coup, j'ai pas le temps d'avancer. C'est pour ça que j'avance pas. Bon, en attendant, ça fait plus d'épisodes et vous en loupez moins, mais bon, je préfère des fois travailler hors vidéo parce que faire 4 heures de moisson de blé en vidéo, bon, hein, je vais pas passer 15 épisodes là-dessus, mais quoi qu'avec 3 machines, ah mince, faut que je m'enlève. Quoi qu'avec 3 machines, c'est vite fait. Bah. C'est bon, ça passe. J'avais peur que ça passe pas, ça passe. Hop. Bon, tu te dépêches toi parce que va falloir que j'aille vider l'autre après. Enfin l'autre qui est dans l'autre champ là, dans le champ 16. Ça me loupe un peu. Oh bah tant pis. Hein. Soit ça finira dans le broyeur, soit je la reprendrai. Mais... Zut. Ouais, c'est parce qu'il y a un petit décalage sur le côté. Et puis... Oh bah zut, hein, je vais pas tout régler pour ça. On verra ça au prochain épisode. Parce qu'il faudrait tout que je re-règle. Zut. J'ai la flemme. En plus, là, je tourne les épisodes assez tard le soir. J'ai pas le temps de journée, donc... Autant vous dire que le soir, comme ça peut s'entendre, je suis absolument désolé, mais je suis un petit peu crevé après le boulot, donc... Déjà, je fais les vidéos. Je suis désolé, hein, si ce que je raconte est pas toujours intéressant, parce que je suis crevé, je suis désolé. Surtout ce soir. Les autres soirs, ça va, mais... Soir... Ah bah oui, elle a pas pu tourner du coup, ma machine. Hop. Surtout ce soir, parce que là, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui, donc... Alors... Qu'est-ce qui me moissonne, celui-là? Qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'il me fait celui-là encore? Oh, c'est pas vrai. Ces ouvriers. C'est mieux en vrai. J'espère que ça se changera, ce... les ouvriers et tout ça, dans Farming Simulator 2015. J'espère franchement que ce sera mieux fait. Bon, déjà, du 2011 au 2013, au niveau ouvrier, il y a une nette amélioration, parce que 2011, ils avançaient pas droit, là, ils avancent droit. Il y a déjà eu une nette amélioration, j'espère qu'il y en aura encore une autre, parce que... À mon goût, bon, je suis peut-être un peu difficile, mais c'est pas encore tout à fait au point. Ils peuvent faire mieux, moi, je dis.
Bon, après, c'est mon avis, hein, mais je pense qu'ils peuvent faire mieux. Bah attendez, en attendant que la trémie se remplisse, on va regarder un tracteur. Je crois que j'ai téléchargé un nouveau mode, même deux ou trois même. Mais il y en a un que j'ai pas testé, donc comme ça je vais pouvoir tester avec vous vite fait. On a 3 minutes pour le tester, ça ira. Voilà. Hop. Celui-là et celui-là. Il est sorti en version mort réalistique, donc c'est un 1055 de chez IH. Il est sorti en mort réalistique, mais volontairement je l'ai pas pris en mort réalistique. C'est fait exprès, je le prendrai peut-être après, mais pour l'instant je l'ai pas pris. Alors normalement j'ai un autre mode quelque part. Où est-ce que j'ai rangé ça? Enfin, où est-ce que ça s'est rangé plutôt? Parce que là j'y touche pas. Oh bah tiens, il y a les. Ouf. Je vais les prendre. J'y regarderai. Ça c'est pour le deux roues motrices. Ça c'est les masses. Ouais, on verra après pour les masses. Ah bah voilà, ça s'est rangé là. Alors, red. Allez, on va prendre du rouge. J'aime bien le rouge. J'aime bien le rouge, autant prendre du rouge. Hop. On va peut-être vider les moissonneuses vite fait. Avant de partir, surtout que je vois que ça a l'air de se remplir là-bas. Ah bah oui, ça a plus que l'air de se remplir puisque c'est plein. C'est carrément plein. Oh, puis l'autre derrière, il en est peut-être bien pas loin non plus. Ah non, il replie. C'est que manœuvrer avec ça, moi je dis, c'est pas évident. Parce que les semis, elles tournent moins bien que celles qui sont pas en mode réalistique. Par contre, il y a un truc qui est vachement pratique là-dessus, c'est que la vis est longue. Trop longue pour être réelle d'ailleurs, mais enfin, normalement aux États-Unis, il me semble qu'elle doit être comme ça. Ça permet de, quand on vient avec le camion, d'enjamber l'andin de paille qui est à côté. Enfin, enjamber, je sais pas si c'est trop le terme, mais je pense que vous avez compris. Enfin, ça sert à ça en tout cas, à passer par-dessus l'andin d'à côté pour pas rouler dessus. Voilà, hop, il s'est couché. Bon, comme ça j'aurais pu vous le montrer, mais je m'en serais bien pensé, on va dire. Parce que maintenant, faut que je sauvegarde pour pouvoir le rater. Bon, tant pis, je vais aller chercher le transbordeur. Bon, je vais pas avoir le temps de les tester, ces deux fichus tracteurs. Bon, ben voilà, lui, il a fini, comme ça, c'est réglé. J'ai deux bouts de tracteur à régler, je vais même pas avoir le temps de les tester. Ça va être pour le prochain épisode, ça encore. Deux bouts de tracteur à tester, je vais même pas avoir le temps. En 15 minutes, faut faire quand même. Oh, je ferai ça au prochain épisode, sauf que d'ici le prochain épisode, je vais pas résister à la tentation de les tester avant, surtout que je vais m'en servir sur ma carrière perso avant, je pense. Je suis plus branché petit tracteur sur ma carrière perso. En même temps, c'est une plus petite map, donc c'est un petit peu normal. Oups, je suis mis un petit peu trop près, désolé. À profit exprès. Bon, et tu te fous de moi? Il est plein, puis tu veux pas vider toi. Bon, on va y regarder vite fait quand même. J'attends que ça se vide, ça. Bon, j'ai enlevé la carte, j'ai mis ce tout à l'heure, j'ai toujours pas envie. Bon, ça donne quoi dans la cabine? Parce que c'est vrai qu'on m'avait dit de rester en vue de cabine de temps en temps, mais
Si, je pense pas forcément l'appliquer. Je suis désolé. Bon, voilà, normalement on a fait les 15 minutes, je vais regarder mon petit tracteur quand même. Pour une fois qu'on prend un petit tracteur dans ce monde de route, un 10-55, c'est pas bien gros ça. Enfin, à l'époque c'était gros. Mais plus maintenant. Alors ça, ça donne quoi? Activer, qu'est-ce que tu veux qu'on active là-dessus? Il n'y a rien à activer. Ah si, ça fait peut-être auto-chargeuse. Enfin, je dis ça, je dis rien. Mais peut-être. Ça roule à combien ce petit truc là? C'est des mini-ben, c'est pas pour la carrière là, c'est... Oh, ça roule vite en plus. C'est des mini-ben, c'est pas, oui, pour ma... pour la carrière sur Westbridge, c'est pour ma petite map sur ma carrière suivie perso. Des petits trucs comme ça, c'est toujours utile. Quand on a une petite ferme. Même que là, ça pourra peut-être nous servir là-dessus. Bon, les deux là, je vais les tester avant. Et puis on regardera ça la fois prochaine. Donc bah sur ce, en tout cas, ils ont l'air vachement bien faits. Sur ce, je vous dis donc à dans 2 jours. Donc mettez un pouce bleu, un petit commentaire si vous avez un truc à dire. Franchement, n'hésitez pas, je suis là pour ça, pour vous répondre à vos questions. Donc franchement, il n'y a pas de problème. Et puis abonnez-vous si c'est pas encore fait pour qu'on puisse bientôt atteindre les 400 abonnés si c'est pas déjà fait d'ici que je poste la vidéo, mais je pense pas. Et puis bah sur ce, je vous dis donc à dans 2 jours. Allez, salut les amis!